Ritmo féminin. Adèle Yamba Yamba. Encore le même son. Le même thème, la même chanson. 97.9 FM. Chut. Bienvenue à Rythme féminin, auditeurs, auditrices. Un grand plaisir de vous proposer la découverte d'aujourd'hui. Adèle Yamba Yamba au micro. Nous allons découvrir Adriana Turenne et Diane Dufresne. Alors, pour notre deuxième partie, hein, nous aurons le... Tout de suite avant notre deuxième partie, il y a espace parole aux auditeurs. Donc, vous pouvez nous écrire, nous envoyer un message pour participer à cette émission. Et pour notre première partie, on débute tout de suite avec Adriana Turenne, auteure, compositrice, interprète, musicienne, franco-manitobaine de chez nous, hein? Métissée de Saint-Boniface, Manitoba. Alors, voici sa belle voix avec sa pièce « Histoire d'Atin ». Dans un pays lointain, il fait une belle aux longs cheveux châtains. Puis un beau jour dans ce pays lointain, un troubadour, une guitare à la main, est arrivé en chantant ce refrain. Ce refrain. Quand il y aura plus de soleil, quand les étoiles auront sommeil, l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrai plus t'aimer. Da, 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 da. Sur la montagne un jour il est allé, devinez donc ce qu'il a pu trouver. La belle châtaigne assise sur un rocher, il a voulu tout de suite l'épouser. D'une voix douce, il se mit à chanter, à chanter. Quand il y aura dans le soleil, quand les étoiles auront sommeil, quand l'eau de mer voudra voler, moi je ne voudrai plus. Il a promis à la terre et au ciel de ne jamais, jamais quitter sa belle. Et quand ils sont sortis de la chapelle, l'orgue entonnait ce refrain éternel, éternel. Quand il y aura un soleil, quand les étoiles auront sommeil, ce prince de la pluie du vent, il vient la belle pour t'offrir ce chant. Daigne l'accueillir comme un doux maman, toi tu seras la rose de son printemps, et vous chanterez en tout lieu, en tout temps, en tout temps. Quand il Histoire d'Atin, un hommage à la chanson manitobaine. Son amour du chant et de la musique date de sa jeune enfance lorsque, autour d'un feu de chant, elle chantait
les chansons traditionnelles et populaires avec sa famille et ses amis. Elle a participé à la création de plusieurs projets musicaux, notamment le groupe Chic Gamine, qui a remporté le prix de Juno en 2009. On poursuit en musique. Cette fois-ci, nous allons écouter En plein cœur, mais que voici. C'est en plein cœur du mois de mai. Que les gens libres, les bois brûlés pour se défendre, ont pris les armes. En plein cœur, mais quand tout fleurit aux abords de la Saskatchewan, sang rouge métisse tache la prairie. Pousser foin, blé, avoine. En plein cœur, mais 100 ans plus tard, du sang versé par les gardiens. Moi, le métis m'en souviens encore. Contre les gardiens sur la rivière Saskatchewan. Voilà, c'était la pièce « En plein cœur, mais » de Adriana Turenne. Adriana a contribué quand même à plus de 40 albums en tant que choriste et collaboratrice. Elle a tourné sur 5 continents, a joué dans plusieurs grands festivals et a été diffusée en ondes de la télé et radio au plan national et aussi international. Elle est bilingue. Donc, elle chante en français et en anglais. Nous allons écouter une autre pièce d'elle chantée en anglais, « When the smoke clears ». Myself.
Voilà When the Smoke Clears de Adriana. J'espère que vous profitez de cette émission, de cette découverte pour vous relaxer aussi, parce que la chanson que nous venons d'écouter, c'est quand même pas mal relaxante. Hein? Donc, j'espère que vous profitez bien de cette découverte. Et dans les dernières années, Adriana, elle a fait de la création sonore et joué dans les pièces Le Will West Show. Et l'article 23 et à sa suite Théâtre Cercle Molière, et sa musique apparue dans le film indépendant Sainte-Anne ainsi que dans le David Sourki podcast. Elle a passé la dernière année en écriture et en production dans son studio et se prépare à lancer son premier album solo cette année. Donc, on a vraiment hâte d'embrasser cet album qui va sortir cette année. On ne sait pas encore quand, mais comme je dis, elle est encore en écriture et en production. C'était la belle découverte, très courte, mais bon, voilà, c'était tout. Je vous propose une pause musicale avant de passer à la découverte de notre deuxième artiste. Voici la chanson « Hakuna Kulala » de l'artiste Zushu. Nichague mimi anze Bangladesh au Malaysia Sudani la 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 oh, 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 oh. Twanozana hatosheki kaniweka kifuani hatingishiki haruki yuhoiwa twabani nampana vya kurithi na mizungu ya kigeni hakuna kulala hakuna kulala hakuna kulala asubuhi tukute hakuna kulala hakuna kulala hakuna kulala Cheo ya tukute Siwezi kuficha hisia Maradhi yataniumbua Nisimwili nalonijua Kanila kanimalizia Shotikati yezani Nampana vya kurithi Na mizungu ya kigeni Hakuna kulala Hakuna kulala Hakuna kulala Asubuhi tukute Hakuna kulala Hakuna kulala
Poursuivons la pause musicale avec la chanson « Boye Boye » de la chanteuse Eto Tchana. Boye Boye Eto Tchana. Like that, tango sala kaboye. We going out tonight. We popping bottles all night. Never see it. Ba ba ba.
Voilà, auditeurs, auditrices, c'est de cette façon que nous allons finir notre première partie de cette découverte de nos artistes féminines d'ici et d'ailleurs. N'y quittez pas, je vous reviens tout de suite pour vous parler de notre deuxième artiste, Diane Dufresne.